Est-ce que c'est lui qui m'entend ou pas? Ça va venir dans quelques minutes. C'est OK pour toi, du coup? On va pouvoir bientôt commencer le temps, si vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. C'est trop fort. Ouais, c'est un peu fort. Maëlle, c'est trop fort. Je vais mettre, c'est quoi dans le fond, sur les côtés. Au premier rang. Devant la table. Ouais, devant la table. Oui, devant la table qui filme. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur les yeux. Et nous vous demandons aussi de déconnecter, de tous vous déconnecter de la Wi-Fi, s'il vous plaît, pour que notre connexion soit optimale. Merci. D'enquête breton Plantes, Michel Baudouin, des colocataires, donc et, si j'ai bien compris, une association locale qui publie des hebdos régulièrement, et Cory du Média, qui est un média indépendant et citoyen. Voilà. Vous pourrez vous présenter plus en détail tout de suite. Alors, hier, nous avons parlé des différentes limites qui bloquent la démocratie et qui viennent parasiter les outils qui sont censés garantir la démocratie. Certains d'entre vous, apparemment, en sont ressortis un peu tristes, dépités, voire avec une envie de tout casser.
Alors, ce matin, on va essayer d'être un peu plus optimiste, parce que oui, il y a quand même une raison d'être un peu optimiste. Par contre, avant ça, on va quand même devoir partir d'un constat sur la question des médias et de la démocratie, qui va être assez peu réjouissant. Nous allons venir dessus dans quelques minutes avant de laisser la place au débat. Mais d'abord, je vais vous demander, vous trois, donc, de vous présenter un peu vos médias ou associations, et puis aussi, s'il vous plaît, en quelques mots, d'essayer de donner un petit peu une définition plutôt théorique, hein, pas idéale, d'un média, enfin de ce que c'est un média pour vous, si vous voulez. Merci. Bonjour. Bon, alors, Michel Benoît, donc, moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Les Colocataires. Alors, ça s'écrit Terre, T-E-2-R-E. Donc, c'est une association éco-citoyenne qui s'est montée en 2009 et qui est basée à Montauban-Bretagne, donc ici, avec des adhérents dans un secteur quand même assez large. Donc, le but de l'association, c'était de faire progresser la transition écologique de toutes les façons possibles. C'est vrai que notre outil phare, depuis le début, c'est quand même la lettre hebdomadaire que reçoivent les adhérents dans leur messagerie. Donc, c'est un peu, peut-être un peu daté comme façon de faire. C'est vrai qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux. Et peut-être que ça nous limite dans la diffusion auprès des jeunes, mais enfin bon, voilà. Si quelqu'un se propose pour le faire, je ne dis pas forcément non. En tout cas, c'est apprécié parce que c'est une lettre qui paraît donc toutes les semaines dans la messagerie des adhérents, en gros 45 fois dans l'année, quoi. Qui propose surtout des. Il y a un agenda qui prend beaucoup de place parce qu'il annonce des événements locaux qui peuvent être intéressants. Alors, pas les lotos, pas les courses cyclistes, pas ce genre de choses, des événements culturels, des événements citoyens, ou militants, et même des mobilisations, ça va jusqu'à Rennes, hein, dans la géographie, avec des points un peu plus loin. Et puis, il y a aussi un édito, et l'édito essaie justement d'aborder des sujets d'actualité avec un angle un peu différent de ce qui est annoncé, de ce qui est fait généralement. Un angle écologique. Donc, pour moi, c'est un outil d'éducation populaire, on pourrait dire. Voilà. Et puis, donc, il y a aussi des infos locales qui peuvent être des petites annonces, des demandes de coup de main, des choses que je relais. Et puis, une rubrique actualité aussi, avec souvent des pétitions bien choisies. Je ne relève pas toutes les pétitions qu'on trouve sur Internet. Non, enfin, c'est pas possible. Et puis, ce n'est pas forcément défendable. Et voilà. Et puis, donc, une contre-information un petit peu. Qui paraît importante. En tout cas, c'est quelque chose qui est bien apprécié. Et puis, je vous dirais franchement que c'est un service aux adhérents. Parce que finalement, les gens peuvent adhérer à une association pour soutenir en quelque sorte son action. Et on essaie d'avoir des actions aussi pour nous. Mais ce n'est pas évident de faire en sorte que les gens adhèrent et réadhèrent s'ils n'ont pas quelque chose de concret en face. Donc, c'est aussi une façon de donner à nos adhérents un service qui les motive à réadhérer chaque année. Voilà. Bonjour, je suis Corinne, je suis de Média TV. Et pour répondre, on ne va pas l'oublier tout de suite, parce que c'est un média, en termes génériques. C'est plutôt, moi je le vois comme étant un passeur d'informations. Donc après, ça peut être tout type d'informations. Le média qui va diffuser sur les courses cycliques, c'est un média. Le média TF1, c'est un média. Le média TV, c'est un média aussi. Donc, après, ça dépend, on recherche comme information. Certains sont plutôt. Large dans leur parisien, il y avait peut-être tout, n'importe quoi dedans. D'autres vont être plus spécifiques, ainsi de suite. D'autres, le meilleur protège travail, et d'autres médias indépendants, vont aussi se spécialiser. Nous, on va avoir un manifeste avec certaines thématiques qui
qu'on va travailler, et on ne sort pas de ces thématiques-là, en tout cas, on se limite à ça. D'autres vont être sur uniquement l'enquête, on verra tout à l'heure avec Explain, mais on va voir qu'il y a peut-être d'autres, des médias qui vont se spécialiser par exemple, dans l'investigation. C'est un autre genre de presse, mais c'est aussi de l'information, mais c'est aussi un métier. Donc voilà, pour revenir sur le média, on est né suite aux élections de 2017, où il y a eu un constat comme quoi tout de même les médias étaient assez peu pluralistes. La carte qu'on avait vue tout à l'heure, on revient là-dessus, mais voilà, on va vous montrer de quoi je parle. Et l'idée d'une autre information. Nous, on ne s'était pas basé sur une contre-information, et on est un peu critique du terme de réinformation aussi, on est plus sur une autre manière de voir les choses. Il s'est assumé un autre point de vue, il s'est assumé totalement. On assume d'être partial, on assume de ne pas avoir forcément une objectivité. On se place de notre point de vue et on attaque l'information à ce niveau-là. On refuserait presque l'idée qu'on peut avoir dans certains médias de « Ah non, nous, on est neutre. » Vous l'avez peut-être entendu, répété même. On ne voit pas vraiment comment on peut défendre une information neutre. En fait. Chacun a un point de vue et même si le journaliste en tant que tel va essayer de pouvoir attaquer la chose sans mentir, bien entendu, il va avoir son point de vue. C'est un être humain. Et même les robots sont pas des êtres humains. Et donc, on est né en 2017. C'est vraiment la première émission, c'était 2018, 4 janvier, presque l'anniversaire. Et on est toujours sur tous les réseaux, pour le coup, sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, Pertube, de manière à toucher justement, alors, pas que les jeunes, puisqu'on s'est aperçu, et vous savez mieux que nous peut-être, que certains réseaux sont plus, on n'est pas sur TikTok, sont plus spécialisés pour certaines tranches d'âge. Bon, Facebook, c'est un peu vieillissant. Hein. YouTube, ça va être un peu moyen, mais beaucoup d'hommes. Et d'autres, Instagram, beaucoup plus de femmes. Donc, nous, on voit nos audiences différentes en fonction des plateformes sur lesquelles on diffuse. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation déjà pour cette table ronde. Donc je m'appelle Sylvain Ernaud, je suis journaliste pour la radio locale dans les Côtes-d'Armor. Au quotidien, mon métier, c'est présentateur, rédacteur, reporter. Je présente des flash infos, je fais aussi des interviews, je passe sur le terrain pour des petits reportages. Je fais ça depuis 2014. Et pour être complet, je suis sorti de l'IUT de la Lyon et de journalisme qui est reconnu post-bac en 2012. Donc, ça fera bientôt 10 ans je suis journaliste professionnel. Et à côté de cette activité, je me suis investi dans un collectif qui s'appelle donc Splend, qui est une forme associative, et dont l'objet est de financer, de produire des enquêtes journalistiques sur un temps long, sur des questions sensibles. Je reviendrai peut-être un peu plus tard, notamment sur les questions environnementales, et donc qui implique notamment d'enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne. Pourquoi avoir créé cette association, ONG d'enquête journalistique? C'est parce qu'on a d'abord fait le constat que, tout simplement, à plusieurs, on était plus forts. Alors, vous voyez, moi, je suis dans une rédaction, on pourrait comparer une rédaction isolée en presse écrite. Je suis seul dans mon bureau. D'autres sont journalistes pigistes, aussi appelés les indépendants, les freelances. Or, on est beaucoup plus soumis à des contraintes, des menaces, notamment judiciaires, lorsqu'on se trouve seul.
et qu'on enquête sur des grosses entreprises, des collectivités locales, des phénomènes de corruption, etc. Comme je vous disais, on a remarqué, on n'est pas les premiers à le faire, bien sûr, mais qu'en Bretagne, le poids de l'agro-industrie était particulièrement fort. Or, jusqu'à présent, les enquêtes, il y avait un déficit d'enquête sur ces sujets en Bretagne, bien qu'on ait un tissu médiatique qui soit plutôt bien développé par rapport à d'autres régions de France, donc avec deux quotidiens régionaux, avec une presse locale, hebdomadaire aussi, est plutôt développée, mais on verra aussi qui appartient à l'un des deux grands quotidiens, donc des radios, vous voyez, mais aussi un service public qui possède des moyens non négligeables, que ce soit France 3 ou de France 2. Voilà, donc un déficit d'information, un déficit d'enquête en tout cas, pour aller creuser, pour potentiellement lever des scandales. Et c'est là où ça va se compliquer, bien sûr. Et puis, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a des journalistes qui se sont retrouvés soit poursuivis en justice lors de procès, de procédures bâillons, en fait, parce que les procès n'ont pas eu lieu, les plaintes ont été retirées juste avant. En particulier, Inès Léraud, qui à elle seule a eu deux poursuites, dont une pour sa BD sur les algues vertes. Donc, c'est une des fondatrices de ce plan. Et des menaces également, des intimidations, voire même, une enquête est en cours, mais un acte de sabotage qui concerne une de nos autres cofondatrices, qui s'appelle Morgane Large, qui a témoigné à la télévision sur, qui est journaliste dans une radio locale qui s'appelle RKB, en sciences de Bretagne, donc c'est une radio très anglaise, et qui a témoigné pour un documentaire. Il a été diffusé il y a un peu plus d'un an. C'était Bretagne, une terre sacrifiée, donc, en fait, sur les ravages de l'agro-industrie sur l'environnement en Bretagne, ce qui a provoqué des chèvres, en fait, ça va des appels, des menaces sur les réseaux sociaux, si on rattache. Ça se passe dans le même laps de temps, si on rattache à ces faits, un déboulonnage de ces roues de voitures, qui a pu évidemment causer un grave accident. Ça s'est produit après la fondation de Spam, ce qui prouve aussi qu'on ne s'est pas trompé sur la liste qui posait sur le journaliste du collectif. Sur la définition de médias, en fait, pour conclure sur cette présentation, on ne considère pas vraiment Spam comme étant un média. Ce qui va définir en creux ce qu'on considère comme un média. Pour nous, c'est sommairement un moyen de diffuser des idées, des informations. Nous, en fait, on est plutôt producteur d'informations et financeur aussi. C'est important parce que c'est le financement par les dons et sans passer ni par la publicité, ni par les subventions publiques. Il y a potentiellement du mécénat aussi dans une partie qui est cadrée, qui est réduite, pour éviter les conflits d'intérêts, évidemment. Et on diffuse en revanche, certes sur notre site, crée aussi une petite communauté via les réseaux sociaux, via les newsletters, mais surtout chez des médias partenaires, qui peuvent être des médias qui font partie de la presse, c'est pas pareil, ce que tu verras à la carte, mais qui font aussi partie des médias mainstream bien installés, tels que France 3 Bretagne, qui est un partenaire de diffusion de notre première enquête portée sur la pollution de l'air à l'ammoniac. Nous, finalement, on ressemble un peu à une agence de presse, finalement, dans le rôle d'être producteur d'informations et ensuite de le distribuer. Merci à vous trois. Alors, avant de commencer notre discussion ensemble, nous souhaitions faire un petit rappel, du coup. Alors, juste un petit
À l'écran, vous allez pouvoir voir s'afficher donc une carte avec les principaux propriétaires des médias français. Sachant que parmi ces propriétaires-là, il y a 10 milliardaires qui possèdent une très grande partie des médias français. Alors, 89,9% des journaux vendus, 55,3% des parts d'audience de la télévision et 40,4% des parts d'audience de la radio. C'est quand même pas négligeable. Et nous pouvons penser quand même assez légitimement que ça influence le débat démocratique. Et donc, ce sera notre première question. Selon vous, par quels moyens ça peut influencer, ça peut contribuer à affaiblir la démocratie. C'est le fait que ça appartienne à des grands propriétaires. Je n'avais pas préparé de réponse à cette question. Non, mais en fait, oui, c'est vrai qu'on l'a vu avec Bolloré, par exemple, qui n'hésite pas à faire marcher la censure quand quelque chose ne l'arrange pas. Pour moi, il n'y a pas. Enfin, je n'ai pas réfléchi forcément sous cet angle de l'appartenance, mais par contre, ce qui me paraît. Parce que bon, moi, je suis plus. Voilà, j'écoute de la radio nationale en français. Julie aussi, je pourrais vous en parler un peu tout à l'heure. Et pour moi, il n'y a pas que l'appartenance, il y a la publicité. Alors, c'est peut-être le sujet suivant. Non, pardon, c'est vrai que j'ai par rapport à ça, mais c'est de manière générale. De manière générale, l'argent, voilà. Ouais. Les intérêts économiques bien installés tiennent la presse, presse écrite, presse audiovisuelle, etc. Donc, si ce n'est pas parce qu'on appartient à, par exemple, Ouest France se targue d'être indépendant. Bon, je crois qu'ils font partie du groupe Havas quand même. Mais quand on. Pardon ? Non, c'est pas Ouest France. En tout cas, ils sont quand même un peu tenus par leurs financeurs, qui sont en grande partie les publicitaires. Pardon. Et donc, bah, si c'est pas un hasard, en fait, si EDF, par exemple, qui a un monopole, fait de la publicité dans la presse, hein, bon, c'est pour verdir son image, d'accord, mais c'est aussi une façon, peut-être, pour elle, de contrôler et de faire que certains journalistes, peut-être, s'autocensurent. En tout cas, on peut le soupçonner sur des sujets qui sont quand même assez délicats, comme le nucléaire, etc. Donc, pour moi, c'est une façon de ne pas aller à l'encontre des gros intérêts financiers qui sont installés, qui existent. Et même, moi, ce qui me fait aussi souvent râler, c'est quand, enfin, je ne sais pas si c'est le sujet vraiment, mais quand je vois que des sujets d'investigation qui concernent beaucoup les citoyens et qui peuvent influencer leurs choix, passent souvent à la télévision à des horaires tardifs. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une offre médiatique qui est extrêmement large, beaucoup plus que quand j'étais jeune, hein, avec Internet, on a l'impression d'avoir le choix, etc. Il ne faut quand même pas oublier une très grande partie de la population qui est âgée et qui ne va pas forcément sur les réseaux sociaux et qui regarde la télévision classique et dans son salon, et puis qui, à qui on ne propose finalement jamais ces sujets-là, quoi, parce que... Voilà, parce que ben, soit il y en a très peu, soit ils sont à des horaires très tardifs. Et finalement, c'est une forme de presque de censure, je dirais, à la limite. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Oui, pour répondre en priorité à la question aussi, le rôle des médias de tous les médias dans la démocratie. Enfin, pour reprendre la définition de la démocratie, mais la priorité, le rôle de la démocratie, c'est de prendre des décisions pour l'intérêt général, voilà, de faire fonctionner le peuple comme étant un organe de décision. Mais avant de prendre une décision, on prend une information quelconque, quelle qu'elle soit, pour prendre sa décision, on prend pas, ou alors c'est le hasard. Hein. Donc, si les médias, le quatrième, cinquième pouvoir, je ne sais plus comment on le numérote, du coup, a un rôle dans la démocratie, c'est a priori celui-là, et avant tout celui-là. Donc la question du contrôle par une personne ou un groupe de personnes, ce n'est pas de méchant absolu, hein, c'est un groupe de personnes, donc on évoquait les 10,
Les neuf ou les 10 d'ailleurs, milliardaires contrôlant 97 et des brouettes pour la presse en France. Ils la contrôlent de manière en plus assez différente et ils ont leur propre style. On parlait de Bolloré, on peut parler de Arnaud, qui sont des personnes qui vont potentiellement intervenir quasiment en direct. Hein, il y a eu des pressions de fait. On a reçu, nous, médias, Jean-Baptiste Ribois, qui est un ancien canal qui avait été censuré par directement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de passer ce documentaire, il y a un coup de fil et au revoir. Et pas lui directement, mais on lui a dit bah non, en fait, on ne va pas passer ça. Et donc, il le passe sur un autre biais. Là, il se retrouve à créer un nouveau média indépendant, il y en a beaucoup, qui s'appelle Off Investigation. Ils ont sorti un panel, je crois que c'est 10 épisodes, sur un sujet éminemment politique qui est le président de la République et sur le fonctionnement de son entourage. Je vous invite à aller regarder alors sur les médias, mais pas forcément ce qu'ils présentent en avance. Et ils ont appelé, je crois que c'est une quinzaine de grands médias nationaux, en passant par les médias même internationaux, comme Netflix, hein, qui proposent des documentaires aussi. Les réponses sont assez cocasses. On ne fait pas de politique. D'accord, merci. On ne fait pas. C'est un sujet qui ne nous intéressera pas, ou qui n'intéresse pas nos auditeurs. Enfin, c'est assez intéressant de voir que non, c'est trop clivant. D'accord, ok, pas de problème. Et au final, quelque chose qui a été vu, je crois que le premier épisode, c'est une approche du 1,5 million sur YouTube, n'intéresserait pas. Mais d'après qui, en fait? D'après qui est-ce que ça n'intéresse pas? La ligne éditoriale, c'est-à-dire ce qui fait l'ADN du média, c'est la première chose que devraient interroger les personnes qui s'intéressent à tel ou tel média. Qui s'intéresse à la ligne éditoriale de TF1? Qui s'intéresse à la ligne éditoriale, c'est-à-dire ce qui guide l'écriture et les choix qui sont faits dans la salle de rédaction de tel ou tel article, tel ou tel axe, tel ou tel cadre dans lequel sont faits les reportages? Ça, c'est la première chose. Donc, il peut y avoir des fois des pressions directement de ces capitaines d'industrie, puisque dans les 9, 10, hein, c'est tous des capitaines d'industrie, c'est tous des gens qui possèdent des industries, et donc ils ont un intérêt financier, il ne faut pas se le cacher, à ce que telle ou telle chose sorte ou ne sorte pas. Alors là, Arnaud, par exemple, Bolloré, ont des intérêts sur la France-Afrique ou sur d'autres domaines, auxquels c'est chasse gardée, il ne faut pas y toucher, sinon c'est procédure bâillon, c'est-à-dire des attaques, et Jean-Baptiste Rivoire et l'organisation Off Investigation au fond des frais en ce moment, c'est un procès qui va leur coûter des dizaines de milliers d'euros, 4 ou 5 ans de leur vie, puisque pour le coup, c'est ce que ça va durer. Et l'autre, derrière, il lance son fauteuil tranquille, ça ne lui coûte rien, parce qu'il y a une myriade d'avocats qui vont faire le travail, de toute façon, ils sont payés pour ça. Et potentiellement, ça va empêcher la diffusion ou limiter sa diffusion, voire faire mourir le média, puisque pour le coup, c'est délité. Nous, médias, on a une procédure depuis 2 ans avec Anne Laubergeon, qui est l'ancienne présidente d'Areva, parce qu'on a un an et demi, pardon, parce qu'on a osé interviewer quelqu'un qui décortique sa gestion d'une entreprise à l'époque publique, qui était quand même une entreprise nucléaire, un peu stratégique. Quoi. Donc, et ça, c'est le lot de tout, j'ai dit, de presque tous les médias, qu'on soit indépendant ou pas, d'avoir ça au-dessus de la tête. Avant de diffuser, est-ce qu'on va pouvoir se faire attaquer derrière? Autre manière de faire, parler de l'autocensure des journalistes, c'est aussi quelque chose de très important, parce que les journalistes parfois proposent des sujets qui vont à l'encontre ou qui vont aller titiller potentiellement propriétaires ou les propriétaires. Mais avant ça, il y a sa prise de décision à lui, de journaliste, est-ce que je mets en danger mon emploi? Et pour le coup, les métiers de journalistes, moi je le vois avec une petite équipe, hein, on a 5 journalistes permanents, tout le reste c'est du pigiste, donc c'est-à-dire des gens qui sont payés à la tâche, hein, entre guillemets, pour des sujets particuliers. Ils sont la plupart du temps chez nous salariés, parce qu'ils ont une ancienneté dans l'entreprise, mais même si nous on se refuse de ça, c'est assez fréquent qu'un pigiste qui va donc être payé pour un travail déterminé, s'il fait un sujet qui va gêner, qui va interroger un actionnaire ou même le lectorat du journal, à la prochaine fois, on va faire un petit travail, ou bah non, on ne prend pas ton sujet parce que
Voilà, enfin, globalement, on sait qu'on nous a causé du tort ou il y a eu des très mauvais retours sur ton sujet, et ainsi de suite. Ça aussi, ça peut être, c'est peut-être la meilleure arme, en fait, hein, que de contrôler même les médias du haut, c'est de les contrôler du bas. D'où l'idée qu'on avait, nous, aux médias, de dire non, on va partir du bas. C'est-à-dire, le lancement de départ, c'était le média des luttes et de ceux qui luttent. Et les premières émissions, c'était de faire remonter, à l'époque, ça, je ne sais pas que ça existait, mais la presse pas pareil, c'est-à-dire les luttes locales à un niveau où ce soit diffusé massivement hein, sur les réseaux sociaux pour faire apparaître tous ces petits points sur la carte, comme Montauban ou de Bretagne, ou je ne suis pas sûr que grand monde sache où c'est, mais qu'il y a aussi des éléments importants de lutte à cet endroit-là. Et alors, apparemment, vous étiez un peu déprimé de la journée d'hier. On a du mal à trouver des informations positives. Alors, nous, on est en matinale tous les matins. Tous les matins, c'est casquette. Hein, après 1h30 direct, comment on fait, quoi. Et c'est les seuls points positifs qu'on a depuis octobre où on fait ça, ce sont les gens qui nous appellent, nous laissent un petit message. Genre, mais moi, il se passe ça, en fait. Moi, il y a une AMAP qui s'est créée. Moi, il y a une coopérative qui fait ça. Moi, il y a un collectif qui lutte pour ça. Ça, vous ne les trouverez jamais dans les médias internationaux, les médias nationaux ou même les médias locaux parfois. Parce que ça n'intéresse pas, entre guillemets, les personnes qui veulent diffuser l'information. Donc, le rôle des médias dans la démocratie, c'est de permettre l'information avec des grilles de lecture. Le problème de base, à mon sens, c'est cette grille de lecture, elle est possédée. C'est-à-dire que s'il y avait une myriade de points de vue idéologiques, et je ne mets pas idéologique comme étant un gros mot, hein, pas de problème. S'il y avait un journal comme L'Humanité, fort, en haut, et à côté de ça, les médias de centre, les médias d'extrême droite, il y en a, hein, les médias un peu trop peut-être, les médias de voilà, libéraux, enfin. Il y avait ce panel politique, ça poserait peut-être moins de soucis. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, et ça, pour le coup, les analystes, les gens qui travaillent sur les données s'en aperçoivent, c'est que la parole majoritaire, elle est d'un côté bien déterminée de l'hémicycle. Si je peux aller rapidement sur le côté politique de la chose. Donc, ça pose question. Ça devrait poser question, et ce sera à mettre en une, pour le coup, des médias, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour avoir une information éclairée quand 90% de ce qu'on entend, ça vient d'un seul, une seule partie de la population, en fait, parce qu'il représente moins d'un pour cent. Hein. Est-ce que vous me permettez d'aller au tableau? Bien sûr. C'est très bien de commencer par la concentration des médias. C'est une urgence démocratique de démanteler les conglomérats de presse qui sont en train de se créer, et plus seulement de presse. En fait. Alors là, on a les médias. Alors ça, c'est une carte, un schéma qui date 2019. Et en fait, la situation s'est aggravée depuis. On ne parle même plus de concentration des médias, on parle d'hyper-concentration des médias. Ici, vous avez la ligne Bolloré, dans laquelle on retrouve CNews, le groupe Canal via Vivendi. Et en fait, hop, donc Bolloré, 12e puissance de famille la plus riche de France, d'après la presse qui est indiquée, hop, a absorbé la branche Lagardère, dans laquelle on trouve Paris Match, Europe 1, notamment. Voilà, et des radios, le journal du dimanche, RFM, Virgin. Est-ce qui ah non, pas énorme, ça c'est la ligne de dessus. Alors ça, c'est la concentration des médias, des supports, mais on a aussi Hachette, via Lagardère. Donc Hachette, c'est de l'édition, mais aussi de la distribution. Parce que c'est relais, vous savez, des boutiques qu'on trouve dans les gares. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de concentration à la fois horizontale et verticale. C'est-à-dire que non seulement ce sont des canaux d'information, mais c'est aussi la façon de les diffuser.
Donc c'est d'autant plus inquiétant puisque ça permet de contrôler la façon dont d'autres médias vont être diffusés. Voilà, je n'ai rien de plus à vous montrer au tableau, hein, mais simplement que ça s'est aggravé en l'espace de quelques mois. Et ce qu'on observe en particulier avec Bolloré, c'est qu'on a une reprise en main idéologique des médias qui sont rachetés, dont l'exemple d'Europe 1 en quelques mois est particulièrement flagrant. On a un démantèlement de la rédaction qui a eu lieu de façon éclair. Alors, une radio plutôt mal en point d'un point de vue audience et donc revenus publicitaires, donc déjà fragilisé. Des départs qui ont été plutôt, on va dire, facilités. Enfin, les personnes, on les a pas freinés hein, si elles avaient envie de quitter l'entreprise. Avec très rapidement une rédaction en chef à la main de Bolloré directement. Alors, c'est peut-être un cas vraiment extrême, parce que ce n'est pas le cas de tous ces milliardaires, mais chez Bolloré, il y a vraiment l'envie de contrôler ce qui se dit. Et voilà, vous avez maintenant la concentration poussée dans ses limites les plus extrêmes. Vous avez un candidat à la présidentielle, donc Éric Zemmour, qui est le candidat d'un conglomérat médiatique. Toute la chaîne se trouve finalement à son service, et donc au service des idées d'extrême droite qu'il met sur la place publique. Ce qui, en plus, a pour conséquence d'entraîner avec lui une surenchère, notamment par rapport aux revenus publicitaires, puisque on va dire la provocation, le buzz, ça fait de l'audience, et donc d'autres médias à l'éthique discutable, mais qui n'appartiennent pas forcément au groupe Bolloré. Participe à cette dégradation de l'offre d'information deviennent des médias purement d'opinion. Une distinction de plus en plus claire qui s'opère, notamment sur les chaînes dites d'information en continu, entre l'opinion, pas cher, il suffit d'inviter quelques grandes gueules autour d'une table et vous avez une émission qui va avoir une certaine audience que vous allez pouvoir vendre à des publicitaires, et les revenus vont revenir aux actionnaires, alors que, même pas l'enquête, hein, tout simplement, mais l'information qui nécessite un recueil sur le terrain, au minimum passer des coups de fil, mais au mieux, de se déplacer, ça, ça devient de plus en plus la cinquième roue du carrosse. Donc, c'est une urgence démocratique de répondre à ça. Et chez Splend, on a décidé d'adhérer à une association qui s'appelle Informer n'est pas un délit, qui a été créée il y a déjà quelques années pour répondre à une loi sur le secret des affaires qui est malheureusement passée hein, et qui consiste à rajouter du secret au secret et à compliquer du coup la tâche des journalistes. Et aujourd'hui, la campagne que mène Informer n'est pas un délit, c'est de lutter contre cette concentration. Et il existe des armes, mais elles sont juridiques, elles sont légales. Il faudra passer par la loi. Donc, parmi les propositions qui sont mises sur la table, c'est un peu technique, mais on peut retenir une réforme de la loi anti-concentration, parce qu'il en existe une. Une réforme est intervenue en 86, et en fait, les grands principes datent de l'après-guerre, en fait. Hein, l'application du programme du Conseil national de la résistance, qui avait bien mesuré en quoi les grandes familles, on parlait déjà de grandes familles, et leur presse à grand tirage,
avait pu peser sur la désinformation et sur la construction d'une opinion antisémite, notamment des journaux comme Je suis partout qui diffusait cette propagande dans les années 30 et qui a facilité l'arrivée d'un pouvoir fasciste en France également, largement collaborationniste. Donc, ils avaient déjà remarqué qu'il fallait des mécanismes qui reposaient notamment sur le fait de favoriser, favoriser la diffusion des idées sans préjugés. Et finalement, quelle que soit l'audience, même si un journal est voilà, une diffusion très limitée, il peut bénéficier de certaines aides qui existent encore aujourd'hui. Mais il existait aussi des seuils anti-concentration, pas pour les journaux, mais plutôt dans l'audiovisuel, qui ont largement été brisés, justement, pour permettre à ces consortiums de se créer. Donc, par exemple, il apparaît anormal qu'un même homme, finalement, une même famille ou une même entreprise, puisse posséder à la fois des journaux, à la fois des radios, à la fois des télévisions, bien sûr, des sites web, maintenant c'est un mode de diffusion de masse évident. À l'intérieur des rédactions, on peut aussi tout simplement protéger les journalistes. Et il existe des propositions qui là, sont plutôt écrites par les syndicats de journalistes. Et ça vient de loin également, hein. Pas de ces dernières années, mais notamment la création d'un statut juridique pour les rédactions qui leur permettrait de se protéger en cas d'ingérence, y compris du propriétaire du média. La création d'un délit de trafic d'influence en matière de presse et aussi une clarification et je rajouterais davantage d'indépendance pour les organismes qui sont censés veiller justement au pluralisme et à la régulation des médias. On pense notamment au CSA. Hélas, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est largement à la main des politiques, puisque ce qui compose la direction du CSA sont nommés par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, vous voyez qu'il y a peu de différence entre la majorité parlementaire, en tout cas à l'Assemblée et l'exécutif. Donc ça, c'est évidemment quelque chose, si on veut leur donner davantage de pouvoir, qu'il faudrait consolider, c'est leur indépendance. Donc, combat majeur, ce que je dirais pour conclure sur cette prise de parole, c'est que pour moi, un candidat de gauche, hein, pour résumer, parce que les autres, évidemment, ça leur va très bien, hein, mais qui se présenterait aux élections sans, dans son programme, des réformes en matière de concentration des médias, en matière de régulation, ça n'a pas de sens. C'est une des questions prioritaires aujourd'hui pour la vie démocratique et enfin, c'est là dans tout, enfin, une grande partie des choses peuvent dépendre, en tout cas l'engagement des citoyens, leur façon d'être éclairé, de participer à la vie publique. Vérifier bien dans les programmes. En tout cas, informer n'est pas un délit et donc se prendre des propositions qui permettraient de changer les choses parce que certes il existe des médias et par exemple Splend, on estime qu'on est là un peu pour pallier à des manques mais face aux milliards qui peuvent être dépensés cette puissance gigantesque il ne faut pas se leurrer ça ne suffira pas. Donc, développer les médias indépendants c'est bien mais réguler ceux qui existent déjà c'est mieux. Et défendre le service public d'information, qui n'est pas parfait, mais qui possède encore des espaces de liberté plus importants, un peu moins soumis tout de même, notamment à l'influence des annonceurs,
c'est capital. Donc, ceux qui veulent privatiser le service public, d'ailleurs, c'est bizarrement c'est les candidats de gauche. Très belle transition. Alors, oui, je vois qu'il y avait des compléments d'information. Ouais. En sortant du cadre français en termes politiques, vous avez un candidat qui se définit lui-même comme de la gauche radicale, qui vient des États-Unis au Chili, avec justement dans son programme une des mesures qui est la destruction de ces conglomérats. Parce qu'ils ont bien compris, vis-à-vis de leur histoire, que si la mayonnaise, si la révolution par la rue n'avait pas pris au moment où ils se sont mobilisés en tant que jeunes, c'est notamment parce qu'il y avait une charge de plomb, la fond de verre, vous voulez, sur la médiatisation de leur affaire. Et on a vu de notre côté ce qui s'est passé sur un épisode, pas dire internationnel, on n'est pas arrivé là, mais qui était le mouvement Gilets jaunes, où au fil de l'actualité, au fil du temps, on s'est aperçu que les discours évoluaient grandement pour essayer de faire taire, essayer de marginaliser, essayer parfois d'insulter, de discréditer, de mettre plein d'adjectifs dessus, ce mouvement qui était certes divers, mais au final, même ces médias-là se sont rendus, ont été obligés de reconnaître qu'ils étaient trompés, ils le disent à bas mots en général, ou alors ont carrément évacué le problème en en parlant. Parce que le discours qui était tenu n'allait plus dans leur sens. Au début, on en entendait beaucoup parler parce que c'était un événement qui remettait en cause et qui allait bien aux libéraux. Hein. Supprimer les taxes, il fallait libérer les populations des impôts et tout ça. Ça allait. Quand on a commencé à parler à socialisation de l'économie, là, ça allait. Mais voilà, donc c'est ce discours-là, en fait, c'est cette chape de plomb, effectivement, et à mettre en perspective avec les élections, si législatives, c'est important, qui arrive. Ça, et donc sur le traitement médiatique des mouvements sociaux, ACRIMED, qui est une association qui veut dire donc Action Critique des Médias, qui était aussi à l'origine de cette carte avec le monde diplomatique, ont sorti en fait un livre qui s'appelle « Les médias contre la rue » et qui balaye en fait 25 ans de mobilisation sociale et du traitement médiatique de ces mobilisations dans les médias principaux, la presse et la télé. Donc voilà, une lecture assez simple qu'on vous conseille. En tout cas, le livre est là-bas disponible au fond de la salle. Et donc, en fait, il est déjà 11h, midi bientôt. Il nous reste 30 minutes d'échange ensemble avec les questions que vous allez bientôt pouvoir poser. Donc, je vais essayer de concentrer mes dernières questions pour ne vous en poser plus qu'une seule et pouvoir laisser l'Assemblée vous en poser une aussi, une ou deux. Donc, en fait, on a vu que voilà, cette concentration par quelques personnes qui détiennent les médias majoritairement, enfin, les médias nationaux. On avait prévu du coup de vous montrer aussi la carte de la presse pas pareil qui montre du coup les médias indépendants en France et leur région d'origine et certains qui sont diffusés nationalement qui ont un peu plus grand. On s'était évidemment posé la question, on s'était dit que l'information pouvait être vue comme un bien public en fait, en tout cas la production et la transmission d'informations est essentiel dans la démocratie pour permettre la prise de décision en fait, éclairée. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas avoir un choix. Le choix est biaisé. Et donc là, peut-être la dernière question que je vais vous poser, ça va être plutôt orienté sur la question de ces médias indépendants et locaux sur une place, ça va peut-être plutôt essentiellement concerner Michel, sur comment en fait ces médias locaux indépendants et à la manière dont vous faites chez les colocataires permettent aussi de transmettre des choses qui se passent chez nous, qui peuvent permettre de favoriser la culture, l'accès à des mobilisations
local, de s'informer. Et comment ça, en fait, peut-être, c'est, ça vient en complément aussi de choses plus à plus grande échelle. Alors, déjà, je vais vous montrer quelques-uns de ces titres-là. Donc là, vous avez Silence, un mensuel très pionnier dans le domaine de l'écologie, qui est une diffusion nationale, enfin même dans le monde francophone. Donc un mensuel. Vous avez L'âge de fer, qui est le premier numéro est paru en 2005, qui est également bah, pareil, national, vous savez. Vous avez Fakir, dedans, je suppose. Qui est le journal fondé par François Ruffin. Super. Il y a même des bonnes nouvelles à la fin. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est, ça présente des mobilisations, des luttes qui ont réussi. Bon, Alternative économique, c'est un journal assez modéré, mais qui a un autre discours sur l'économie par rapport à ce qu'on entend un peu partout. Et puis, bah, alors, il y a Diplo, voilà, qui présente pareil. Une information différente, voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais il faut quand même reconnaître qu'ils avaient diffusé, enfin, annoncé la crise financière de 2008, que les économistes faisaient semblant de découvrir avec grande surprise. On ne s'y attendait pas, on ne voyait pas ça venir, c'est complètement faux. Hein. Et puis, je peux quand même West France et je vais vous dire pourquoi, après, avant d'aborder la réponse. Je suis abonnée à West France. Je lis tous ces journaux-là, et puis également sur Internet, il y a reporters, enfin, il y a d'autres médias très intéressants. Mais je défends l'idée de lire un journal papier parce qu'on a plus de liberté en tant que citoyen, en tant que lecteur, que par rapport à une radio ou par rapport à un média télévisuel ou par rapport à quelque chose qui est audiovisuel, disons. Il y a quand même une masse d'informations beaucoup plus importante. Alors, des fois, c'est trois lignes, hein, un petit peu fidèle, mais ça peut attirer notre attention. Avec un journal papier, on choisit. On choisit ce à quoi on veut s'intéresser. Alors, je ne dis pas qu'ils nous disent tout, hein. Non, c'est pas vrai. Et par exemple, je vais vous donner un exemple récent. Donc, ils ont parlé à temps, je dirais, hein, quand ça a démarré, et donc France Inter n'a jamais parlé. C'était le mouvement de grève des agriculteurs en Inde contre la libéralisation des prix des produits agricoles. Ils ont mené un mouvement très très long, ils ont fait le siège de New Delhi, c'est ça, de New Delhi, pendant très longtemps et avec beaucoup de ténacité, et ils ont fini par obtenir une victoire. Et ça, notre service public d'information n'en a absolument pas parlé, parce que ça pourrait peut-être donner des idées à des agriculteurs ici, qui remettrait en cause le système des prix agricoles mondiaux, enfin bref, un système qui est là aussi à renverser, à remettre en cause en tout cas. Voilà, bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est quand même un mouvement très très important, et ils préfèrent nous parler, nous fasciner, même je dirais, avec des faits divers qui ne nous concernent absolument pas. C'est aussi une façon hein, de finalement de faire peut-être de la censure ou de manipuler l'opinion. Il y a, à France Inter, il y a une journaliste qui a une émission en fin d'après-midi qui dit toujours « Voilà ce que vous devez retenir de l'actualité. » Et je trouve ça insupportable et vraiment, ça ne devrait pas. C'est à nous de savoir ce qu'on veut retenir de l'actualité. Ce n'est pas à elle de nous dire ce qu'on a à en retenir, en fait. Et donc, c'est une façon de manipuler les gens. Voilà. Donc, avec un journal comme ça, déjà, on a beaucoup plus le choix de ce à quoi on s'intéresse. Et puis, ça permet aussi de ne pas être dans une bulle alternative parce que, voilà, on a tous un peu tendance à aller vers les informations qui nous confortent, ce qu'on appelle la pensée en silo. Et donc, si on se cantonne uniquement aux médias alternatifs qui vont dans notre sens, on se coupe quand même une partie de la population. Et moi, je préfère garder un peu de distance et avoir les deux. Bon. Alors, sinon, par rapport à la... Bon, moi, je ne prétends pas faire de la presse locale. Je ne prétends pas être journaliste. Sans doute, des frustrations. J'étais enseignante, mais j'aurais bien voulu être journaliste. Passons. voilà. Donc, je suis journaliste amateur. En fait, non, pas vraiment, parce que moi, je déniche des informations et je les relaye. Hein. Je n'ai pas la prétention d'aller investiguer. Et par contre, je peux m'appuyer sur des médias qui investiguent. Et c'est très, très important de financer. L'investigation, ça coûte cher. Un journaliste professionnel qui va aller sur le terrain, qui va chercher
à connaître les faits, parce que c'est très, très important de pouvoir juger d'après les faits et non pas que d'après les opinions. Donc, ça coûte cher et il faut accepter de payer. Voilà, il faut accepter de financer, parce que si nous, qui voulons une information de qualité, on n'accepte pas de la payer, que ce soit par nos cotisations à un média indépendant ou que ce soit par nos impôts, eh ben, c'est finalement c'est la publicité qui paye et donc ce sont les intérêts privés qui ont la main. Quoi. Donc, ça aussi, la gratuité, il faut y réfléchir. Donc, moi, alors effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des informations positives et nous, on essaye de leur donner du relief, de les faire connaître, tout simplement. Donc, quand il y a une nouvelle AMAP qui se fait quelque part dans les environs, on le dit. Quand il y a, je sais pas, un marché à la ferme, un producteur de vente directe, quelqu'un qui s'installe en bio et qui a besoin de financement, on relaye toutes ces choses-là, on essaye d'appuyer un peu le changement positif. Et ça, ça nous paraît très important. Oui, pour revenir, pour compléter un petit peu sur les médias indépendants et locaux, ce qui est intéressant, à mon sens, à connaître aussi en tant que citoyen et citoyenne sur ces médias, c'est leur mode de fonctionnement. Parce que des fois, ça en dit beaucoup du monde du fonctionnement d'un média, de savoir déjà, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une entreprise SA? Est-ce que c'est et de quel type de SASL? Parce que nous, nos médias, on est une coopérative, on est une SIC. Pour parler un peu jargon, il y a des SCOP aussi qui sont deux types de coopératives. La SCOP mettant plutôt en avant les salariés comme étant propriétaires de leur entreprise. Ça demande un investissement de la part des salariés, bien entendu. La SIC, c'est plutôt il y a à la fois les salariés et puis les bénéficiaires qui vont financer en fait le capital de l'entreprise. Mais ce petit point de détail là, il est important parce que on parlait d'indépendance tout à l'heure. C'est primordial en fait que les médias puissent s'autogérer. Être indépendant, c'est ne pas être soumis à la pression financière. Il y a des médias qui ont ouvert la voie, hein, Mediapart par exemple, à transformer sa rédaction et à innover dans ce sens pour justement, alors qu'ils avaient des financements, on leur a reproché, un des 10 qu'on a vu tout à l'heure, vous avez Yel a mis de l'argent dans ce média, et ils s'en sont détachés au bout de longues luttes en termes de la rédaction pour justement sécuriser leur fonds. Je reviens rapidement sur ce que tu disais aussi, c'est important de savoir ce que coûte en termes de fonctionnement un média. Parce qu'on n'a aucune idée, et moi, avant de travailler aux médias, au passage, je ne suis pas du tout journaliste, hein, je travaille dans la place à l'arrière, moi, je suis chargé des réseaux sociaux et de la communauté, et de savoir combien ça coûte de faire un sujet de 10 minutes, par exemple. Combien ça coûte de faire une émission sur YouTube qui, virtuellement, est gratuite, puisque vous n'avez rien à payer, enfin si, vous payez la pub, pas sur le média, parce que nous, on refuse la monétisation. On n'a pas du tout de pub sur notre sujet. Mais nous, ça nous coûte quoi? Ça nous coûte les techniciens qui sont à l'arrière, le monteur, le graphiste, le journaliste, bien entendu, l'équipe réseaux sociaux qui va parfois travailler pendant plusieurs heures sur la diffusion de ce genre de sujet. Et puis, parfois, ça nous coûte aussi de la censure. Parce que là, les médias installés, les neufs, là, vont avoir une pratique qui est proprement de la censure, notamment sur les réseaux sociaux, où un appareil, une plateforme comme YouTube n'est absolument pas libre. Enfin, ça, c'est la poudre aux yeux, en réalité. Exemple, hier, on fait un retour, il y a 3 jours même, on fait, c'était dimanche soir, l'allocution du président, je ne sais plus. Enfin, bref, on fait un retour avec une journaliste sur ce sujet-là, pendant 45 minutes. On inclut, bien entendu, des extraits de l'entretien sur TF1, je crois, TV, je ne sais plus. Durée de vie, donc de la du direct, 1h15, durée de vie du replay, 3 secondes. Comment ça se fait? Pourquoi? Bon, tout simplement, une entreprise de communication, strike, c'est-à-dire notifie YouTube que nous utilisons un contenu qui ne nous appartient pas. Il y a l'allocution du président de la République, hein, au courant que. Donc, d'accord. Parce qu'il y a le logo de LCI ou TF1,
ils considèrent que c'est un revenu qui leur manque. Il n'y a pas de pub à TF1, plutôt critique sur le sujet. Donc, et pour le coup, on a on n'est pas dans la logique d'attaque juridique sur les vidéos, on est plutôt sur un harcèlement quotidien, en réalité, pour nous, de savoir si les 18 secondes vont être respectées ou pas, si le droit de citation courte va être respecté ou pas. Spoiler, il n'est pas respecté. Donc, selon les médias, ils vont être plus ou moins violents. Arte, ils ont une logique qui est en train d'évoluer. Europe 1, ils sont intraitables. France Inter, ils s'en foutent réellement. On peut partager les morceaux de la matinale de France Inter. Service public, vous allez me dire. Oui, enfin bon, il y en a d'autres qui le sont, hein, France Culture, Israël. L'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est censé avoir une archive des informations et des anciens journaux, par exemple, ils strikent. Parce que c'est financier. Eux, ils le vendent, en fait. Donc, à partir de là, et les médias locaux, pour revenir au sujet, les médias locaux sont aussi dans ce problématique-là, c'est qu'on n'a pas les armes. Nous, le média, on va appeler YouTube en leur disant, c'est pas gentil, quand même. Ils rigolent. Ils ont 4 jours à traiter notre demande. Donc, le sujet, il est coupé. On est obligé de couper les extraits. Quel intérêt, évidemment. Parler d'un mec, on voit pas ce qu'il dit. Donc, c'est toute la problématique de savoir, pour les médias locaux, quel est le type de structure, comment ils fonctionnent dans l'éditorial, j'en parlais tout à l'heure, et puis leur financement, selon si c'est une association, selon si c'est une entreprise, selon si c'est un collectif. Comment est-ce qu'on finance? Combien ça coûte, en fait? Dans l'idée, nous, par mois, on dépense 120 000 euros de fonctionnement. On en récupère mensuellement 80. Il y a un trou. Hein. Ça vient des dons. Parce qu'il y a des abonnements, il y a des dons. Mais là aussi, il faut communiquer là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on sont financés les médias? La redevance audiovisuelle pour les médias publics, on est au courant de combien ça coûte. De vos parents, vous voyez sur votre fiche d'impôt, votre feuille d'impôt, quoi. Mais toute cette galaxie-là, les médias, comment ils fonctionnent? Beaucoup par l'association, beaucoup par des bénévoles. Et parfois, justement, pour être indépendant, il ne faut pas forcément être bénévole. Parce que bénévole, c'est quoi? C'est aussi donner du temps quand on en a. Sauf que du temps, on en a de moins en moins. Et on est accaparé pour autre chose. Donc, c'est la limite, en fait, entre le côté bénévole et le côté professionnel. Parce que pour être efficace, pour aller au fond des choses, les médias d'enquête le savent bien, il faut du temps. Il faut parfois des mois d'enquête. Il faut lier relation avec la personne, la source, qui va potentiellement nous donner l'information. Il faut ensuite vérifier juridiquement si on ne va pas se faire assommer et qu'on va le sortir, et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, les frais juridiques, c'est une constante. Hein, on est à 4 000 euros, grosso modo, 4 500 000 euros par an de frais juridiques de base. Et ça représente pas mal d'abonnés. Ouais, je passe à ça. J'ai un peu oublié la question. Oui, voilà. Je suis désolée, on va peut-être devoir. En fait, le temps est assez court. Heureusement qu'on est tous mangés ce midi. Du coup, on va passer aux questions de la salle. Je suis désolée. Enfin, moi, sauf si vous avez. Du coup, vous pouvez dire. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Non, mais okay. En plus, j'ai plus l'angle de la question. Bon, alors, du coup, on va passer aux questions. Oui, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui peuvent vous manifester. Des questions, il y en a marre. Ah. Moi, j'avais une question par rapport à la légalité des temps de parole quand on voit qu'il y a un zéro. Qui a été propulsé sur le devant de la scène par Bolloré, est-ce que ça reste dans le cadre de la légalité par rapport à d'autres par rapport à d'autres candidats qui vont avoir beaucoup moins de problèmes d'actifs, et on va voir s'il y a un organe de contrôle objectif là-dessus, hein, du CSA. Non, c'est le rôle du CSA. C'est le rôle du CSA. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas en période officielle de campagne. Qui dure un peu plus d'un mois, il me semble, avant,
vraiment le jour du vote. Donc, on n'est pas au principe d'égalité du temps de parole. Ceci dit, on a quand même un principe d'équité qui doit répartir, mais qui n'est pas si équitable que ça, qui répartit la parole entre la majorité, l'opposition, et sans compter la parole présidentielle, du moins quand Macron ou ses prédécesseurs s'expriment avec la casquette de président de la République. S'il s'exprime avec la casquette de candidat, c'est différent. Vous voyez que c'est très subjectif, hein, parce que là, l'émission sur TF1, du coup, comment la quantifier. Le CSA a quand même peu de moyens, en tout cas répressifs. Non, pas beaucoup de volonté, c'est vrai. Donc, ils ont mis ces derniers mois, des avis sur CNews en particulier, pour voilà, notamment leur reprocher de diffuser le temps de parole. Alors, il me semble que c'est celui de, surtout de la majorité présidentielle et de la France insoumise la nuit, entre minuit et 5h ou 6h du matin. Les interviews étaient concentrées la nuit, et évidemment, Zemmour, leur champion, bénéficiait des tranches les plus exposées. Donc, ils se sont peut-être tapés sur les doigts, et plutôt symboliquement, et pour en arriver à des amendes, il faut vraiment y aller très fort. Alors, je ne vous parle même pas d'une suspension de la diffusion, qui est dans l'arsenal du CSA, dans l'absolu, c'est possible, mais ça n'arrivera probablement pas, pour aussi les raisons politiques que j'expliquais tout à l'heure. Trop d'enjeux, ça serait une exception. Ça fait beaucoup jaser. Ça peut arriver pour une radio, pour une télévision, à mon avis, jamais connu, à ma connaissance. Pour compléter sur l'arsenal, alors effectivement, il y a le CSA, dont le président est nommé directement par, je crois que c'est le président de la République, pour dire l'objectivité potentielle du monsieur. Il y a des collectifs citoyens qui vont pour le coup œuvrer vers la surveillance des temps de parole. Alors, vous avez un certain nombre d'analystes, moi je me suis certains sur Twitter, qui ont des cartographies assez détaillées de qui fait quoi, à quel moment, quels sont les thèmes qui sont évoqués par tel et un tel. Ceux qui veulent, je pourrais en donner deux, trois après, si vous voulez, pour les suivre. Vous avez des collectifs nationaux, internationaux, comme le Sleeping Giant, par exemple, Twitter aussi, qui vont dire, par contre, eux, ils vont taper au porte-monnaie, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner telle marque pour leur dire, vous avez vu, je ne sais pas, Nestlé, vous êtes en train de diffuser et donc payer des contenus qui sont ceux d'une personne qui a été condamnée 4 fois pour incitation à la haine raciale. Niveau pub, c'est pas terrible. Donc, c'est un truc qui est venu des États-Unis, pas que des choses mal, et de dire, voilà, il faut mettre la pression sur les annonceurs parce que c'est eux qui tiennent quand même la bourse de ces entreprises. Touche pas à mon poste, on avait subi les conséquences pendant un temps, suite à des propos homophobes et une attitude en plateau qui était totalement intolérable. Certains annonceurs avaient dit, nous, on ne subventionne pas ce truc-là, en fait. Nous, on ne paye pas pour avoir notre pub après la main dans ce livre ou les nouilles mises dans je ne sais quoi d'une personne. Donc, ces collectifs-là, au-delà de l'arsenal de l'État, dont on peut parfois quitter la neutralité possible, c'est peut-être un devoir citoyen de le faire, eh bien, peuvent avoir un impact. Oui, pour prolonger ce que tu dis, c'est pourquoi les grandes marques ont très peur de pour leur image, ils ont très peur que les consommateurs se détournent de leurs produits, tout simplement. Et les grandes ONG, les citoyens peuvent utiliser l'arme du boycott, qui est une arme qui peut être très, très puissante. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu ça, mais dans les années 60, il y avait une immense campagne de boycott au niveau mondial des produits d'Afrique du Sud qui pratiquaient l'apartheid. Et finalement, ça a donné plus d'impact aussi au combat en interne à l'Afrique du Sud, et ça finit par payer puisque l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud.
L'arme du boycott, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à utiliser quand c'est nécessaire. Bonjour, Max Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, peut-être? Moi, je voulais revenir sur la notion de bien commun que vous évoquiez autour de l'information, parce que il me semble qu'à un moment donné, c'était quand même une bonne nouvelle que des acteurs privés puissent aussi transmettre l'information, que ce soit pas seulement l'État qui, les acteurs publics qui est monopole finalement de la transmission d'information. Et pour autant, là, dans ce que vous présentez, on en voit aussi les dérives et un autre des monopoles qui, en tout cas, des hyper concentrations qui s'instaurent aussi. Et du coup, moi, ça vient me poser la question comment on gère ce bien commun, quel équilibre est à trouver. Est-ce qu'il y a une question de régulation à penser et quelle régulation des médias serait souhaitable? Et du coup, derrière ça, quel est le rôle de l'État dans tout ça, des acteurs publics? Ça dépend ce qu'on entend par État, je pense. Est-ce que c'est si c'est l'organisation générale des citoyens, la réponse elle est dans notre système de fonctionnement démocratique, dans notre fonctionnement politique, la régulation elle doit venir des citoyens, parce que c'est l'organe de base. Ensuite, bien entendu, on est dans un système représentatif, donc on peut en dire ce qu'on pensait plein de choses, mais pour le coup, la loi générale est issue du Parlement. Et donc, une régulation ou une surveillance, elle doit, à mon sens, nécessairement se faire, même si elle ne pourra jamais être totalement indépendante, de la manière à ce que il y ait effectivement, vous parlez tout à l'heure de la loi, de ce qui est venu du CNR et du fait qu'il y ait une interdiction de la concentration. Les États libéraux au possible ont quand même réussi, au collège, à faire exploser des monopoles d'État aux États-Unis, pas des monopoles d'État, c'est des monopoles industriels aux États-Unis, la loi antitrust, ce genre de choses, c'est possible de le faire. C'est juste un manque de volonté politique générale, je l'entends, hein, je sais pas, c'est pas les hommes politiques. On est tous des hommes politiques et des femmes politiques en réalité. Ça, c'est aussi la grande fumée. C'est vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Quoi. Donc, s'il y a quelque chose à faire, et les médias locaux, notamment Le Monde, c'est en bas de l'échelle. C'est-à-dire que si tout le monde, ou allez, 50% de la population était conscient que il y avait une action à mener tous les jours, quotidiennement, je sais que c'est fatigant, tous les jours, pour pointer ce genre de choses, pour obliger ces entreprises, ces personnes, ce que vous voulez, à respecter le principe de base qui est la pluralité. L'idée, ce n'est pas de concentrer la parole, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir plusieurs voix, de manière à ce que les gens puissent choisir. Je me battrai pour que tu puisses t'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire. Voilà, je ne suis pas forcément d'accord, enfin, je suis foncièrement en désaccord avec Rivarol, média d'extrême droite, outrancier, possible, mais pour le coup, que des gens puissent avoir le droit de parler, ça me paraît essentiel. Parce que la limite, elle est où? À quel moment est-ce qu'on interdit aux gens de parler? Alors, vous allez me dire, il y a la limite de la loi. Oui, mais la loi est parfois contestable, contestée, et parfois, elle fait marche arrière. Il n'y a pas si longtemps, le génocide qui a eu lieu du côté de l'Arménie, on pouvait en parler, on pouvait remettre en cause ce génocide. Aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi. Donc, elle évolue aussi. Peut-être que dans 15 ans, on reviendra dessus. Peut-être qu'on pourra remettre en cause les chambres à gaz. Peut-être que, je ne sais pas. Mais la loi, elle évolue aussi. Donc, qui fait la loi? Aujourd'hui, on pourrait considérer qu'on est encore dans un système où les citoyens décident. Vous y mettez les nuances que vous voulez. Mais dans 10 ans,
Donc, dans 3 ans, comment ça se passe? On n'en sait rien. Donc, c'est une mobilisation de tous les jours. Jamais aucun, enfin, au général, et après je passe la parole, jamais aucun gouvernement au monde n'a réussi à conquérir un mouvement populaire. C'est pas vrai. À un moment donné, il cède. Quand ça vient de la base, vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez, s'il y a une foule qui charge, ils s'écartent. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Mais ils vont s'écarter. Je reviens sur un peu la dichotomie entre service public, médias privés. Bon, déjà, remarquons que ces grandes puissances, Bolloré, Dassault, elles vivent aussi de la commande publique. Hein. Des contrats, des marchés qu'elles remportent. Donc il y a un lien d'interdépendance. Notamment lors des financements des campagnes électorales qui existent. Et puis, pour vous expliquer un petit peu une réflexion qu'on a à l'intérieur de ce plan, on refuse les aides à la presse. Alors, je ne sais même pas si on pourrait prétendre, parce qu'il y a quand même des critères, et comme je vous expliquais tout à l'heure, on se rapproche plus d'une agence de presse que d'un média. Mais bon, imaginons, il y a deux problèmes. Déjà, c'est la transparence de cette aide, leur répartition, qui me paraît injuste. Et puis, il y a la défiance que cela crée chez le public. Alors que moi, j'y suis favorable aux aides à la presse. Je dirais, dans l'équipe de Spand, on n'est pas contre le principe. Et j'imagine que dans ces médias, un bon nombre des demandes et vont toucher quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Sauf que jusqu'à il y a d'ailleurs peu de temps, mais grâce à une mobilisation des éditeurs de la presse web, leur propre syndicat patronal, c'est le SPIL, on a enfin les tableaux que les grands patrons, notamment de la presse régionale, ne voulaient pas voir publié, et on s'aperçoit que Le Parisien aujourd'hui en France, qui appartient à LVMH, donc à Bernard Arnault, donc l'un des hommes les plus riches au monde, touche le plus d'aide à la presse. En fait, c'est les médias de ce groupe-là qui touche aussi le plus d'argent public également. Hein. Donc voilà, injustice. Pour nous, sans meilleure répartition, sans les critères qui soient définis par les citoyens, et pas seulement en termes de diffusion, mais en termes qualitatifs. Alors, vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se baser, par exemple, sur le nombre de journalistes qui composent une rédaction, justement sur le fait de diffuser à des centaines ou des millions d'exemplaires. Donc voilà, il existe des critères. Puis comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a rédaction et rédaction, il y a certainement à coupler à cela une protection, une indépendance juridique des rédactions et la possibilité, bon, qui existe à titre individuel, mais très peu employé à ma connaissance, pour un journaliste de refuser une tâche ne correspond pas à son éthique professionnelle. Il faudrait consolider ça, mais à l'échelle d'une rédaction, et refuser qu'un propriétaire impose une ligne, et par exemple, que ce soit des journalistes qui élisent leur rédacteur ou rédactrice en chef, tout simplement. On voit que là, on commence à inverser un peu la logique de pouvoir, et donc ça développe l'indépendance d'un média. Donc voilà pour ce petit point sur les aides à la presse, il me semble capital pour aussi que tout ce champ de médias qui vit avec très peu de ressources puisse se développer correctement. Parce que voilà, certes, c'est une base qui est non négligeable. Et puis, ce plan a d'ailleurs co-signé avec à peu près 80 médias
locaux et nationaux, mais on pourrait ranger dans cette catégorie de la presse d'appareil, un manifeste justement récemment pour l'indépendance des médias, qui est piloté par le Fonds pour une presse libre, qui a été lancé par Mediapart, puisque donc, comme on en parlait, Mediapart a changé un peu de son fonctionnement économique récemment. Donc, ils ont créé un fonds de dotation dans lequel ils ont mis une partie du capital. Enfin, chaque année, il y a des dividendes qui sont reversés et redistribués donc, par le biais de ce fonds, le fonds pour une presse libre, à des médias qui répondent à un certain nombre de critères dont je pense ne font même pas partie. J'en parle librement, parce qu'il faut une régularité dans la publication, et ce n'est pas notre cas. On verra si ça évolue. Mais voilà, c'est une démarche du coup, qui vient du privé, hein, qui est bénéfique. Et là, on est sur des échelles de quelques 100, un peu 100 000, on va dire 300 000 euros par an. Ça peut être important. Alors, eux, ils visent l'effet levier, hein, vraiment pour développer l'innovation, le développement d'un média, sa structuration. On est loin des centaines de millions qui peuvent être injectés par d'autres gens. Une autre question. Oui, ça va être la dernière. Je ne sais pas trop. C'est un auditorat très féminin. Bonjour. Alors, je sais que, surtout en tant que média indépendant, vous êtes sans doute un peu soumis aux différentes politiques des réseaux sociaux, notamment par rapport à tout ce qui est publicité, financement, etc. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous considérez comme étant le bon interventionnisme, je dirais, des réseaux sociaux dans les médias, mais dans l'information en général, et notamment sur, bon là c'est un peu polémique peut-être, notamment sur l'ascension de Donald Trump. Est-ce que Facebook, est-ce que Twitter devait censurer le compte de Trump? C'est la question qui est sous-jacente. En fait, pour moi, ils sont intervenus trop tard. Ils ont favorisé, donc, l'apparition de ce personnage et d'autres, hein, Bolsonaro au Brésil, d'autres phénomènes politiques qui sont liés aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'effectivement, il faut surtout que les pouvoirs publics régulent, eux, les réseaux sociaux. Ça ne s'appelle pas aux réseaux sociaux d'avoir leur politique, opaque et finalement qui peut paraître aussi effectivement autoritaire, discrétionnaire. Donc, à mon avis, il faudrait intervenir en amont. Il y a une lanceuse d'enquête, une lanceuse d'alerte, Frances Hogan, je crois que. D'ailleurs, je suivais ce matin une partie de son audition au Sénat par la Commission des affaires culturelles. Un tour du monde actuellement pour inviter les parlementaires sur les décisions prises ou pas par les GAFAM, en particulier donc, Facebook, en l'occurrence, parce qu'elle avait travaillé chez Facebook, elle a démissionné. En observant que la façon des choix techniques étaient pris allait favoriser certains discours. Je vous envoie vers ses travaux. Et, enfin, voilà, elle considère, et je la suis assez volontiers en l'écoutant, qu'il y a effectivement une menace sur la démocratie à laisser ces grands acteurs sans régulation et sans modération aussi, parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens, ou en tout cas, peut-être qu'ils les ont, mais qu'ils ne les dépensent pas. Quelques centaines, milliers de petites mains, d'ailleurs, qui sont confrontées à des contenus extrêmement choquants.
qui, à travers le monde, sont là pour censurer, oui ou non, à la chaîne. C'est absolument pas vertueux comme système. Oui, en fait, comme il y a d'autres questions, je pense qu'on va leur faire des réponses courtes. Bon, là, on va finir à 45, on décale le temps. On va prendre d'autres questions et justement des réponses. Oui, c'est ça. Bon, du coup, moi, je suis dans la technique, justement, de la diffusion et de la modération et ce genre de choses. Et est-ce que les... Enfin, ils ont la main, en fait. C'est même pas une question, c'est est-ce qu'ils devraient... C'est un fait. Ils ont la main et l'arsenal législatif, je ne reconnais pas d'État qui a un arsenal législatif suffisant pour contraindre ces entreprises à... Je n'aime pas trop le mot de censure, parce que c'est utilisé à tort et à travers, en fait. Mais à empêcher des contenus qui ont pour seule et unique vocation la confusion de l'auditorat. C'est-à-dire qu'on arrive à, quand même à... Pourquoi est-ce que la raison, je crois, de la fermeture de son compte, c'est qu'il disait tout simplement des choses qui, factuellement, et c'est pas de... Enfin, on en arrivait presque à la terre plate, quoi, hein, mais c'était factuellement, c'était faux. On ne peut pas laisser dans une démocratie une personne ou une équipe de personnes tenir des discours qui vont avoir comme objectif de mentir, de détourner, de tromper. Parce que, pour le coup, quand c'est en plus une personne politique, ça a eu un impact sur les décisions individuelles des acteurs politiques que nous sommes tous. Et pour reprendre un exemple très français, récent, et après je passe, on a quand même j'étais encore candidat, enfin bref, un personnage politique qui revient sur des affirmations historiques prouvées je ne sais pas combien de fois, que le gouvernement Vichy a favorisé, organisé, permis la déportation de juifs. Et tranquillement, à la télé, non, c'est faux. Il a sauvé des juifs. Ok, je suis prof d'histoire de formation, je me suis étranglé, personnellement. Mais c'est des choses comme ça où on se demande jusqu'où on peut aller. Comment est-ce qu'on interdit à cette personne-là de dire des choses comme ça? 4 fois condamné, non? Et il continue, en réalité. Je prends cet exemple-là, mais parce qu'il est très parlant. Il y en a d'autres, et il y en a plein d'autres, qui applaudissaient des deux mains à son meeting, notamment. Donc, comment est-ce qu'on oblige ça? Je vais répéter la question tout à l'heure. Par nous, en fait. Par la mobilisation populaire. C'est pas les entreprises dirigées par un mec qui gagne, que personne ne gagnera dans un millier de vies, de déterminer ce que j'ai le droit de voir sur Internet, en fait. Et là, pour envoyer sur un autre collectif qui s'appelle la Quadrature du Net, peut-être certains connaissent, qui travaille sur justement l'analyse, alors maintenant un peu plus large sur la sécurité aussi, mais des réseaux et de l'Internet, d'une Internet libre, au sens premier du terme. Je vous envoie vers leurs travaux, parce que pour le coup, ils font un sacré boulot aussi. Est-ce qu'il y a poser plus une question par rapport aux écoles de journalisme. Je me demandais quel rôle elles pouvaient avoir, qu'elles enseignaient aux journalistes. Je veux savoir si vous aviez fait une école de journalisme et pourquoi vous avez fait le choix de devenir indépendant alors que d'autres ne font pas ce choix. Voilà. Et est-ce que aussi les écoles de journalistes sont indépendantes? C'est plus une question par rapport aux écoles de journalisme. Avant de répondre, je crois pas qu'on va prendre toutes les questions. Ouais, on va faire un peu. Ouais, voilà, ça, voilà. Ça. Bonjour. moi, je sais pas si on répond à la question d'abord ou tout le monde pose cette question. Non, okay. Moi, je vais poser la question un peu de la surinformation. En fait, on n'a pas trop parlé, on a parlé beaucoup de médias, mais on n'a pas parlé en soi beaucoup tant que ça d'informations. Et en tout cas, je vais mettre le point, ce n'est pas tant une question plus qu'une remarque, mais l'idée sur le fait que chacun aujourd'hui est pourvoyeur d'informations autant qu'il est récepteur, tant par justement les médias, en fait, enfin par les réseaux sociaux, excusez-moi. Et je trouve, il me semble intéressant, en partie d'ailleurs, cette culture du commentaire qui, en fait, de par cette surinformation un peu de partout, en fait, crée l'illusion, on va dire, à chaque personne d'avoir son propre avis extrêmement libre
et très libre arbitre, enfin avec un libre arbitre extrêmement fort. Chose qui, je pense, des fois empêche complètement en fait, l'émergence d'une pensée collective. J'ai en quelque sorte l'impression que, au fur et à mesure que justement une partie des médias se normativise, on va dire, de l'autre côté, l'individu a l'impression qu'à l'inverse, son avis s'améliore en quelque sorte ou s'affine. Et j'aimerais savoir si vous avez un avis justement sur cette forme de surinformation ou sur la culture du commentaire. Merci beaucoup pour commencer. Et ma question, en fait, elle va rejoindre quand même pas mal les deux précédentes. C'est notamment, même avant l'école de journalisme, savoir ce que vous, vous avez vécu en tant que personne qui lisait ou regardait les médias, et donc peut-être une perspective sur l'éducation à l'esprit critique et l'éducation à l'image pour justement se retrouver dans ce bruit médiatique. Une dernière, sinon on va passer aux réponses. Ouais, on va passer aux réponses. Je pense que déjà c'est. Pour partir de la fin, l'éducation aux médias, en tout cas à la lecture de l'image, du son, de la presse, on en a tous fait, moi comme les autres, et moi j'étais un acteur de ça, plus qu'enseignant d'histoire. Vous avez tous fait la lecture d'images, vous avez tous fait la lecture de textes, vous avez tous fait la lecture parfois de films, d'analyses, de caricatures, d'affiches, ce genre de choses. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais pour le coup, c'est quand même une base dont on oublie bien vite la chose parce que c'est quand même assez chiant, on peut le dire. Mais il y a des associations et des collectifs, notamment issus de journalistes, qui poussent la chose, c'est-à-dire qu'ils vont aller décortiquer telle ou telle intervention, tel ou tel reportage ou galaxie de reportages qui vont aller dans un même sens. Je pense au Bondi Blob, par exemple, qui avait fait un travail sur ces éducations aux médias assez impressionnant il y a quelques années maintenant, mais qui continue. Hein. Pour rejoindre à la fois le Bondi Blob et ce que un autre intervenant disait, on est tous pourvoyeurs d'informations. Non, on est tous pourvoyeurs d'une opinion sur les réseaux sociaux. Différence assez fondamentale. Mais pour le coup, oui, il y a une démocratie de l'opinion. Tout le monde a un avis sur tout. Et pour faire le lien encore avec les réseaux sociaux, on est tous, chacun d'entre nous, dans des boucles d'opinion. C'est-à-dire qu'en fonction des likes et des retweets et des pages et ainsi de suite auxquelles vous êtes abonné ou que vous aimez, en réalité, vous n'allez pas avoir tout un autre spectre. Hein. Faites le constat sur votre page Facebook, en fait. Selon si vous avez suivi certains hommes ou femmes politiques, vous ne verrez pas les publications des autres. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que vous ne les voyez pas. Et même si vous les avez suivies, potentiellement, si vous avez une tendance à liker plus les posts de, je ne sais pas moi, Philippe Poutou, et ben vous ne verrez pas ceux d'Éric Zemmour. Parce qu'il y a un choix qui est fait vis-à-vis des algorithmes, et là on est dans le technique, la couverture du net, pour le coup, qui va vous enfermer, qui nous enferme dans des boucles d'informations qui, l'information silo, on est dedans et on n'en sort pas. Parce que c'est ça qui fait vendre, parce que c'est ça qui fait la pub. Facebook, ce n'est pas gratuit, il y a de la pub. YouTube non plus, Twitter un peu moins aussi. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont gratuits. Il y a des plateformes comme ça qui permettent, de manière non financiarisée, d'avoir accès à des informations, mais ils sont très minoritaires et vous ne les connaissez probablement pas. Mastodonte, qui est une espèce d'autre Twitter. Bon, je ne sais pas si beaucoup moins plus sur Mastodonte. Peertube, qui est un média ouvert, enfin, une plateforme ouverte qui fait la même chose en fait, hein, que YouTube, sauf qu'ils ne financiarisent rien. Et ces éléments-là, bien entendu, ils sont un peu invisibilisés. Bah, parce que ça ne fait pas marcher la planche, ça ne fait pas marcher l'économie en fait. Hein. En tout cas, pas assez, suffisamment. Alors, ouais, je vais commencer par la dernière question, du coup, pour aller dans l'ordre. Chronologique en tant que lycéen, collégien, qui est ensuite devenu étudiant en école de journalisme et ensuite même enseignant en école de journalisme. Moi, je fais le constat, enfin,
si j'essaye de comparer le paysage médiatique qui était à ma disposition en tant que collégien ou lycéen, qui souhaitait s'informer, qui avait déjà un regard critique, j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement. C'était dans les années 2000, la première décennie. Il y avait les guignols de l'info, il y avait Arrêt sur image, version télé, donc gratuit, accessible. Il y avait des espaces de médiation à la télévision. Je trouve que ça s'est pas mal appauvri. J'ai encore rien ce que vous dites. Le groupe Canal+, c'est sûr qu'on va plus y chercher la liberté de ton, le regard différent que vous pouvez trouver, et puis les cases d'investigation aussi. Aujourd'hui, l'investigation, elle est vraiment contenue uniquement sur le service public, et vous avez sur France 2, un peu la 3, sur la 5, sur les questions d'environnement, notamment, dimanche. Pour le reste, on a de l'enquête, mais c'est plus fait divers, buzz. Donc, pour moi, c'était une ressource très intéressante. J'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de cours pendant les semaines de la presse qui permettaient de s'aventurer sur des chemins méconnus. J'avais la chance d'avoir quelques journaux à la maison, presse quotidienne, parfois le Canard enchaîné. Quelques magazines aussi, hein, mais je parle de l'Obs, de l'Express. Donc, rien de super indépendant ou de confidentiel, mais c'était. Voilà, il y avait une. Je bénéficiais de ce pluralisme. J'ai trouvé mon compte aussi. Marianne aussi, qui n'était pas le Marianne d'aujourd'hui. Moi, je suis rentré en école de journalisme très tôt, hein, à 18 ans, à l'issue du bac, directement après le lycée. Est-ce que j'ai envie de répondre par rapport à ça? Bon, déjà, il existe beaucoup de formations, mais elles ne se valent pas toutes. Il y en a 14 qui sont dites reconnues par la profession. C'est parce qu'elles répondent à un cahier des charges qui est fixé notamment par les représentants des journalistes par syndicat et par les représentants des employeurs aussi. Il y a un programme commun minimum et vous avez tout un tas de formations, souvent très chères, qui proposent quelque chose qui est au rabais, hein, très, très largement. Il me semble que toute profession, le journalisme en fait partie, a un besoin de professionnalisation. Donc, voilà, les écoles, les centres de formation spécialisés, ça me semble assez logique. Ceci dit, effectivement, ça dépend ce qui s'y dit. Et là aussi, on rejoint la question de contrôle citoyen et de démocratie. Et aussi, je dirais, le critère de sélection, parce que ça va définir en grande partie aujourd'hui les journalistes qui vont composer les rédactions, et en particulier les rédactions des hiérarchies implicites, hein, d'information. Si vous travaillez au Monde, si vous travaillez au Monde dans un radio local, c'est pas la même échelle dans la hiérarchie du journalisme. C'est plus compensé par ailleurs par d'autres engagements, mais bref. Pour atteindre les postes les plus prestigieux. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut avoir un diplôme d'école reconnue, et même un diplôme d'école reconnue d'une école parisienne ou de l'EGILI, donc en fait, vous avez une pyramide. Et ces écoles, elles ne sont pas post-bac la plupart du temps, c'est niveau master. Vous voyez qu'avant d'arriver au niveau master, il y a toute une sélection sociale qui a eu lieu. Et donc, on retrouve beaucoup plus d'enfants de cadres et de professions dites intellectuelles supérieures, professions libérales, médecins, etc. En gros, les enfants de la bourgeoisie sont surreprésentés dans ces écoles.
quel que soit le programme qui pourra, et quelle que soit la formation qui pourra leur être dispensée, si on n'a pas cette mixité sociale, et j'ai aussi la mixité ethnique, hein, les deux vont souvent ensemble, les rédactions ne vont pas représenter la réalité de la France contemporaine. Donc ça va biaiser évidemment ce qui va être produit, ce qui va être lu et les idées qui vont pouvoir être véhiculées. Donc là-dessus, il y a un devoir, à mon avis, de nouveaux citoyens, de forcer ces écoles à avoir un niveau, des critères de mixité, des moyens aussi, parce que du coup, en tant qu'aujourd'hui enseignant vacataire pour l'unité de Lannion, qui fait partie de ces écoles reconnues, je vois que les moyens ont pas mal baissé. Alors, mes propres heures de cours ont diminué avec la réforme du BUT, là, le BUT qui est devenu un BUT, un PLRNAC entre parenthèses. L'IUT de Lannion fait partie de REL 1, REL 1 qui est sous tutelle du rectorat, ça c'est lié à la loi LRU. Vous voyez que, effectivement, tu as raison, la question de l'indépendance, en fait, les moyens qui diminuent au fur et à mesure. Ben, je conclue. Oui, c'est ce qu'il y a. Ok, pardon. c'est fondamental et il risque d'y avoir un écart qui se creuse avec ces écoles publiques. Actuellement, c'est 50-50 sur la qualité des formations et tout simplement la rémunération aussi des enseignants qui vont pouvoir venir. C'est simplement le défraiement. Ça risque de creuser davantage les inégalités alors qu'il faudrait les réduire impérativement. Merci. Merci. Du coup, on va passer à la suite. Du coup, moi, je voulais, pour finir, c'est pas une question, c'est plus une piqûre de rappel, parce qu'on ne le rappelle jamais assez. Au MRJC, on fait partie aussi d'un média indépendant qui s'appelle France Ouvrage Initiative. Mouvement, donc le journal d'éducation populaire, géré par 4 associations, 5 associations agricoles et rurales. Et du coup, n'hésitez pas, vous pouvez aussi, au MRJC, participer à écrire des articles pour partager vos visions sur les territoires ruraux, partager vos actions. Partager la critique d'un projet que vous voyez venir sur votre territoire. Donc voilà, c'est 6 numéros par an. Pour chaque numéro, il y a 2 comités de rédaction auxquels vous pourrez bien participer en visio et proposer des sujets et proposer d'écrire des sujets. Et sur le sujet presse et jeunes, on a sorti l'année dernière, on a écrit entre MRJC et Transrural, on a écrit un dossier dans Transrural sur presse agricole et jeunesse, où on reparle un peu de ces enjeux-là sur quelle est la place des médias agricoles et ruraux. Comment ils peuvent laisser plus de place aux jeunes et comment les jeunes, eux, peuvent aussi prendre plus de place dans les médias. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire là, mais j'aurais eu plaisir à vous en donner. Mais en tout cas, n'hésitez pas à participer à Transmural, c'est vraiment chouette. Et il y a 2 journalistes qui sont salariés pour ça et qui peuvent vous aider à écrire. Merci à vous d'être venu, Michel. Merci d'avoir écouté cette plénière. On va sans plus attendre. Je donne déjà les consignes pour la suite. On est en retard sur le repas. Il faut donc, comme on dit d'habitude, aérer, remettre les tables en position repas. Et peut-être qu'il y a une consigne particulière puisque c'est un buffet aujourd'hui, ce midi. Ouais, je vous explique peut-être ça après. Si c'est tout ça, voilà. Donc les personnes qui sont inscrites au service, rejoignez.